Quelqu'un dit dans Apocalypse 3, dans sa format, la dernière question. Euh, on va continuer l'émission demain si ça vous intéresse, parce que je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt. Hein. Apocalypse 3, 11, on va le lire. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Ah oui, c est, c est, c est, c est. Le Seigneur parle à l'Église, écrit aussi à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent hein, euh, juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, dis-je, je le ferai. Je le ferai venir et se prosterner à tes pieds et ils sauront que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne. Le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on voit bien qu'ici, pour répondre à ta question, et euh, mon frère ou ma sœur, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie. Philadelphie, Philadelphia, l'amour fraternel. D'accord L'amour filéo. Donc cette église-là aimait le Seigneur, aimait la vérité. Elle était persécutée parce qu'elle avait peu de puissance, c'est-à-dire peu de, 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 de valeur selon les gens de ce monde. Hein peu de, de, de puissance sur le plan financier, matériel, tout ça. Et euh, Donc cette église était considérée comme pauvre, comme, comme moins que rien, et euh, rejetée. Donc c'est chrétien, c'est chrétienne. Et euh, pourtant, on nous dit que cette, cette église-là, ces chrétiens, ont gardé la parole du Seigneur. Voyez, donc parce que cette église était fidèle, le Seigneur a, avait prévu, le Seigneur a prévu une couronne pour elle, et c'est pour cela que le Seigneur lui dit ben, garde, garde, mes amis, garde ta position jusqu'au bout, garde ta position jusqu'au bout et euh, tiens ferme et garde ce que tu as. Et qu'est ce que cette église avait? l'amour fraternel, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la vérité malgré sa persécution, malgré le fait que la synagogue, synagogue de Satan l'a persécuté Et le Seigneur lui dit, garde cette position-là, cette vérité-là, car à la fin, tu auras une, bien sûr, couronne, une récompense. Et bien, c'est ce que le Seigneur a dit à tous ses véritables enfants, en dépit des épreuves, des combats, des difficultés, de la persécution, il faut tenir ferme jusqu'au bout, parce que le Seigneur va rendre à chacun, selon ses œuvres, que toute la gloire lui revienne. En tout cas, merci pour toutes vos questions. Et si vous avez été choqués, pardonnez-nous, ce n'est pas l'objectif. Et nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, nous voulons partager simplement l'évangile du Seigneur. S'il y a des propos qui, qui vous ont choqué, que vous n'avez pas compris, hein, alors surtout ne nous lapidez pas tout de suite, posez des questions. Et je ne suis pas en train de dire aux gens, par exemple, d'aller euh, prier dans les temples catholiques ou bouddhistes, tout ça. Nous parlons de l'évangélisation. Quand on va dans un pays, par exemple, musulman, on peut dire que tous ces pays-là, c'est comme, comme, comme un temple. Pourtant, on rentre là-dedans pour apporter la parole. Donc, euh, et, euh, quand on va dans un pays bouddhiste, c'est comme c'est tout le pays est bouddhiste par exemple, on va dans ce pays quand même pour évangéliser. Donc euh, maintenant, si on me dit un temple là-bas bouddhiste, il y a des gens qui sont là-dedans, ils veulent écouter la parole, on fait quoi? Eh ben, on, on rentre pour annoncer l'évangile de Christ. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est religieux. Ben, désolé si on vous a choqué, mais c'est comme ça. Donc les gens pensent que s'ils rentrent dans un temple comme ça, ils vont se souiller, ils vont être remplis, remplis de démons, alors que les démons sont des esprits, ils sont partout. <laughs> il n'y a pas un endroit où il y a plus de démons qu'ailleurs. Hein, donc je pense que c'est le monde entier sous l'absence du malin et c'est partout hein, les démons se trouvent. C'est vrai qu'il y a des endroits où ils sont plus invoqués que, que d'autres. Mais je veux dire, nous sommes chrétiens. Euh, Paul dit si, si on te voit toi, qui a de la connaissance dans un temple d'idole en train de manger, celui qui n'a pas la connaissance, il, faut, il va euh, être euh, affecté. Mais pour Paul qui a la connaissance, c'est dit pour moi, l'idole n'est rien. Hein, euh, voilà, donc euh, et, euh, il sanctifie, puis il mange. Et chacun doit voir et faire les choses avec conviction. Que Dieu vous garde. Merci à l'équipe technique pour votre soutien. Que le Seigneur soutienne chacun. Alors, euh, ceux et celles qui peuvent être choqués parfois quand on prend autorité pour régler certaines choses, ne pensez pas que nous sommes euh, nous, de la méchanceté ou, euh, ou un manque de sagesse. C'est parce que nous voulons tout simplement de l'ordre. Dieu est le Dieu d'ordre. Vous voyez Tout simplement. Notamment par rapport à Didasco, c'est un centre de formation. Et euh, depuis des années, on le dit. Et c'est un centre où. Les enfants, quand il y a des réunions de tous les jours, tels que eux, séminaires, réunions de réveil, prières, tout ça, il n'y a pas de problème. Tous les enfants peuvent venir, tous les enfants sont les bienvenus, même les bébés, il n'y a pas de souci, même quand ça, ça crie, ce n'est pas un problème, ça ne nous dérange pas parce que nous sommes nous-mêmes passés par là. Et, euh, mais quand c'est une formation biblique, on dit que c'est une école. Nous sommes des disciples, donc il y a la discipline, il y a le sérieux, il y a l'organisation. Donc on veut de l'ordre, tout simplement. Donc, euh, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin pour être véritablement formés. Et c'est pour cela que et quand c'est comme ça, en tant qu'enseignant, on peut euh, voilà, s'organiser parce que quand on est dans le monde, quand on est allé à l'école, ben, pour ceux qui sont à l'école encore aujourd'hui, ils ne débarquent pas avec les enfants. Et, et, euh, donc il y a quand même un minimum d'organisation euh, de sérieux à avoir si l'on veut véritablement servir le Seigneur. Merci pour votre compréhension et que le Seigneur vous garde. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain à 20h30. Pour votre émission, il est minuit dans l'horloge de Dieu. Il y aura certainement des questions et réponses. En tout cas, on va se laisser guider par le Seigneur. Que Dieu vous garde. À tantôt, comme disent les Belges. Les Belges, Belges avec les frites. Que Dieu vous garde. Merci. À tantôt. Au revoir.